Salut tout le monde, nouvelle vidéo découverte sur le jeu Fire Force en japonais et seulement disponible en japonais, disponible sur Coop et TapTap. On va aller découvrir ce jeu ensemble. Pour le moment, je vois une note assez déplaisante, mais j'ai vu qu'il y avait des avis qui ont été construits qui donnaient une note un peu supérieure à 4. On va voir ce que ça donne, 4 sur 5 bien sûr. Hein. Normalement là j'ai le téléchargement à faire. Même pas, j'ai pas de téléchargement à faire. Ok. Let's go. Ok. On est sur un jeu de style chibi, les amis. Du coup, c'est du 3D mais en chibi. La qualité n'est pas incroyable. On verra si le reroll est rapide. On skip. On va faire directement le tuto. Je pouvais avoir accès à la bêta. J'avais eu 2-3 clés. Mais le truc, c'est que j'ai vu la qualité chibi. Ça m'a direct bloqué. On est en 2022-2023. Là, la moindre des choses, c'est de sortir des jeux d'une qualité un peu plus développée, quoi. Ok. Ok. Si je parle pas, c'est que j'essaie de comprendre un peu les animations et tout. Ok, il y a un délire de Link. De combo en groupe, en duo, en trio, ou à 4. On va voir à peu près à quoi vont ressembler les attaques SP. Ok. Bon, j'imagine bien que c'est pas la qualité max, hein. Enfin, je l'espère pour eux. Let's go, ok, niveau 2. Ça, c'est les invoques, du coup. Le petit portail en haut, enfin en bas à droite. Effectivement, on commence directement avec la multi. D'ailleurs, on commence avec 3 multi au début. Hein. Ok. 2 étoiles, du coup, normalement, niveau max d'étoiles, c'est 3. Est-ce que c'est une multi illimitée? On peut se dropper avec. On peut se dropper ce que l'on veut. On va voir. En fait, dès qu'on a le truc comme ça à l'arrière, c'est ce qu'il y a le perso, quoi. C'est tout? C'est tout, là? Et du coup, c'est pas une multi invocation reroll. Ok, let's go. Bon, après, les animations d'invocation, elles sont jolies. Non, reste à voir de comment ils vont organiser... Reste à voir... Il y a quoi comme invocation? Ça, c'est le plus important. Et on verra si la qualité peut être changée. Parce que là, pour le moment, pas foufou. Et c'est bon, on a terminé. Je crois que c'est que le tuto... Ouais, c'est ça, c'est bon. Le tuto est très rapide. Bon, pour le moment... on va dire... Pour le moment, c'est du 3,5. Hein. En dehors de la qualité, c'est du 3,5. Let's go. Ok, ouais, c'est du 3 étoiles. J'ai pas eu du 3 étoiles au début. Ok. On va tout récupérer. On va partir invoquer. Comment c'est ça? Ouais, c'est ça. 2 multi, comme j'avais dit tout à l'heure. Les récompenses de préinscription.
On va partir invoquer. Du coup, on a. On a lui, j'avais vu l'autre aussi. Ok. On en a 3, ok. Le drop. 4, ok. 5. Okay, on a 5 au total. Concernant le taux de drop, crois que c'est ça. On est à du 2%. Ok, on est à du 2%. Est-ce qu'il y a un délire de multi ou quoi? Il est 0,2. On est sur un ratio plus ou moins identique à Bounty Rush. Hein. Let's go. Portail payant. Ben, ça commence bien. Portail payant, ça commence très 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 bien. Il y a, du coup, je pense qu'il y a ces deux portails. Il y a le portail premium et le portail. Ok. Du coup, dans ce portail-là. Ah ouais, du coup, celui-là, il garantit le perso. Ok. Et là, c'est multi. Ok. Perso bannière. 0,35. Ok. On va commencer avec la single. Ah, ok. Bah, c'est payant. Ok. Bah, let's go. Hein. Du coup, on a une. Oh, ça coûte 500. Et là, on a des. Ok. Let's go. On a 3 multi ici. Pour les tickets. Parce qu'on va avoir une animation différente de ce qu'on a eu tout à l'heure. Non. Ou on n'aura rien. 2 étoiles. Ça va partir sur du reroll, hein. Ça va partir sur un gros gros reroll, hein. Ok, on a eu. Ok, une autre animation. Let's go! Mais c'est pas le bon perso, je reconnais la voix. Ouais. C'est un tank. Le niveau de la voix n'est pas fort par rapport au niveau de la musique. Un deuxième! Ben, let's go! Let's go, B2! On rattrape le ratio. Let's go, on a encore une multi. On a encore deux multi, mais c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Ah, nous on veut les persos bannières du coup. Nous on veut les persos bannières. C'est là. Il me reste une multi. Bien sûr, je pense qu'on va faire ça en live aussi. Ok, ça c'est une animation éclatée. Ok, c'est bon, je reconnais les animations maintenant. Ouais, ok, ben on va partir sur un reroll parce que pour 4 multi, 2 trucs. On va faire la dernière. C'est juste la vidéo présentation du jeu. On va voir un peu si on va être chanceux là-dessus. Ok, je crois que je drop. Non, je vois pas. Ok, ouais. Let's go. Let's go, on va drop qui? Oh, c'est une carte. Oh, tout ça pour une carte. Ah là 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 là, ils ont mélangé cartes et des trucs. Après, je crois qu'il n'y a que des cartes là-dessus. Crois qu'il n'y a que des cartes, je suis pas sûr. Hein. Non, il n'y a pas que des cartes. Et non, il n'y a pas que des cartes. Et j'ai drop une carte, forcément. Parmi les
caractère vedette, j'ai dû drop la carte qui d'ailleurs est l'une des pires cartes, je crois. Ah ouais, ben let's go. Voilà, découverte, on va tester ça en live. Ben let's go, hein. Allez, je vous dis ciao et à la prochaine, peace.